On va se retrouver avec un classique, un de mes maîtres, un ami vraiment aussi, mais un grand metteur en scène. Cette fois-ci accompagné, ou lui accompagne, je ne sais pas, un énorme acteur qui s'appelle Jacques Bébert. Donc c'est Georges Lavaudant qui va mettre en scène Le Roi Lear. C'est une coproduction, c'est une compagnie, c'est un artiste qu'on a accompagné depuis 2017. Et je suis toujours fidèle à mes maîtres, il faut le dire, et loyal. C'est le sommet d'un acteur. Le sommet d'un acteur, c'est jouer Le Roi Lear. Et là, je pense que Jacques Bébert va vous l'expliquer. Parce que je pense que c'est impossible de dire non quand Jacques Bébert vous dit je veux faire Le Roi Lear. Voilà, c'est obligatoire de l'accueillir et de le faire possible, donc de le coproduire. Voilà donc Le Roi Lear au Grenat avec Jacques Bébert, mis en scène par Georges Lavaudant. Bonjour, ravi de vous parler, pas beaucoup, mais de vous dire que oui, c'est un immense rendez-vous pour moi que de jouer Le Roi Lear, mis en scène par Lavaudant, donc accompagné, aidé, soutenu par Jo Lavaudant, qui à mes yeux est un des très grands metteurs en scène de notre époque. Et j'avais besoin de ça parce que même si je pense que j'ai su attendre, c'est-à-dire que j'ai l'âge pour jouer ce rôle. Je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de vécu partagé avec une grosse expérience de théâtre pour aborder cette montagne sans se voir comme un nain. C'est un peu la sensation que j'ai eue à la première lecture, puis après, ben, on se bat. Mais oui, il faut ces 50 ans de métier. Et puis voilà, je crois que pour moi, c'est un rôle de. Ce n'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une consécration, c'est pas tout ça, non, mais ça fait partie vraiment des rôles rêvés pour un acteur, comme Phèdre chez les femmes. Enfin, c'est une rencontre au sommet qui fait appel chez vous à tout. À contempler visiter votre propre naufrage de l'âge, visiter votre rapport avec l'univers, avec l'existence, avec la vie, avec le cosmos, avec le pouvoir, etc., etc. Enfin bref, c'est une des pièces les plus mystérieuses, les plus fortes, les plus puissantes qui soient. Et je suis ravi de la jouer bientôt devant vous, accompagné par des acteurs magnifiques et encore une fois soutenu par un grand, grand metteur en scène, Jo Lavaudant. Merci et à très vite. Camouillotte. Qu'est-ce que c'est Camouillotte? Camouillotte, c'est une chorégraphie historique d'un des grands génies de la danse contemporaine européenne, Ohad Naharin. Ohad Naharin, d'origine israélienne, qui en a fait avec la Batsheva, qui est une compagnie historique, et un classique presque, je dirais, juste au-dessus de Pina Bausch, mais c'est une des grandes compagnies. Il a créé ce spectacle il y a longtemps. Pour de jeunes. Et du coup, Josette Baïs, de la compagnie La Grenade, qui est une ancienne danseuse, une dame de la danse contemporaine française vraiment importante, a repris le spectacle, a repris la chorégraphie. Et sous un peu l'œil de Ohad Naharin, elle a remonté cette chorégraphie fantastique avec une pêche absolument démentielle, une énergie avec de jeunes danseurs, très jeunes danseurs. Pour la présenter, la faire à Chaillot et pour la présenter chez nous. Alors, on va se trouver dans ça, une espèce de quadrilatère, donc un espace à quatre gradins, disons. Donc, vous allez entourer les danseurs qui vont être au milieu de cette quadrilatère et vous allez voir, vous allez passer vraiment un moment fabuleux parce que c'est vraiment une des pièces historiques de la danse contemporaine et surtout avec des danseurs fantastiques. Donc voilà, on vous attend au Grenat pour cette merveille et on va voir un extrait.「人々を待つ」「嫌われてやる」「音を感を伴わせ」「似合わせた人々」
Minato, Minako to no toku, ukai taera. Nous accueillons l'ensemble Zirba Octet. C'est un spectacle que nous aurions dû avoir au mois de mai. Nous l'avons reporté. Cet ensemble Zirba Octet est dirigé par le violoniste de l'Orchestre de Chambre de Paris et a choisi de rassembler en fait les standards de la musique klezmer, russe et la musique tzigane. Ce sont des musiques à danser, c'est un spectacle joyeux avec des rythmiques ensorceleuses et des tempos lents ou endiablés. Robin, de la compagnie Les Grands Cerfs Bleus, encore une compagnie de la région, donc on va accompagner, qu'on va travailler avec. C'est une équipe jeune, très jeune, c'est formé par trois comédiens, musiciens, écrivains, ils font de tout, tous les trois, c'est deux frères, et le frère Tur. Et une comédienne chanteuse, musicienne aussi, qui travaille avec eux. Donc un trio d'enfer pour avec une énergie magnifique. J'ai vu ces deux précédents spectacles. Et du coup, quand ils m'ont proposé de participer à la nouvelle création, j'ai tout de suite dit oui. Et j'ai voulu m'embarquer dans cette aventure qui s'appelle Robin. Effectivement, ça vient de Robin des Bois. Au début, ça s'appelait Robin des Bois. Maintenant, c'est devenu Robin. Et bon, il parle un peu de la même chose que le gang, c'est-à-dire de tous ces gens qui pensent que volent aux riches pour donner aux pauvres, ce qui est très bien. Mais après, ils se trouvent dans une espèce de tourbillon de non-vérité, vérité, tout mélangé, difficile de s'en sortir. Je vous laisse avec eux. Pour qu'il vous explique plus sur le spectacle. Et j'espère que vous viendrez nous accompagner pour cette aventure nouvelle de ce jeune équipe. Écoutez-moi bien, gentils hommes, vous qui avez du sang d'homme. Concert de musique avec au plateau François Salk au violoncelle et Vincent Perani à l'accordéon. François Salk vient de la musique classique, il a déjà eu plusieurs victoires de la musique, il a travaillé 5 ans avec le quatuor Isaïe
Et Vincent Perani vient, lui, de la planète jazz. Il est aussi couronné de nombreux prix. C'est une rencontre explosive. Il projette des éclairages nouveaux sur le répertoire savant, les thèmes traditionnels d'Europe centrale, le tango et le jazz. Un langage totalement original et incandescent, au programme Grappelli, David Popper, mais aussi Michel Portal, Astor Piazzolla. Vous allez voir un extrait, il y a un réel engagement musical, bien sûr, et un engagement corporel, et un échange entre eux qui est complètement explosif. Spectacle jeune public, danse et art visuel. C'est un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans et la compagnie que nous accueillons est une compagnie madrilène, Ara Caladanza. On a accueilli leurs 3 précédentes productions devant un grenat plein à craquer. C'est un vrai bonheur de les recevoir. Ce sont toujours des rendez-vous extrêmement joyeux. Le niveau de la danse est totalement irréprochable. Cette fois-ci, la compagnie s'est inspirée de l'univers des jeux vidéo et nous avons devant nous une succession de tableaux extrêmement oniriques et joyeux. Après l'atelier de dessin, un de ses participants va rester chez nous parce qu'on va présenter le nouveau spectacle d'un vieux connu, vieux copain et maître, Jean-Claude Galota. Vous le connaissez bien, l'homme à tête de chou, Mike Rock, etc. C'est une légende de la danse contemporaine française et je crois qu'il est un honneur de l'avoir au programme toujours. Voilà. Cette fois-ci, il y a longtemps, il y a 2 ans, je crois, il m'a dit, écoute, j'essaye de faire un spectacle avec un musicien que moi j'adore particulièrement, qui s'appelle, et que vous connaissez sans doute, Rodolphe Burger, fondateur des Catonoma, musicien avec un parcours totalement éclectique et très intéressant, qui va du rock and roll presque à la musique contemporaine. Et donc il m'a dit, je veux ça. Et je lui ai dit, si tu fais ça, moi j'y vais. J'ai coproduit et je monte dans le bateau tout de suite. Peu de temps après, il m'a dit, ça y est, Rodolphe compose. Donc on y va. Avec la compagnie de Dominique Gonzalez, plasticienne, qui va faire la partie plastique du spectacle. Voilà. Donc le spectacle va s'appeler Le jour se rêve. Le spectacle n'existait pas encore. Il aurait dû exister aussi, mais la pandémie a provoqué des retards. Mais il sera là, chez nous, en juin, avec Jean-Claude Galota et Rodolphe Burger et Dominique Gonzalez. Voilà. Un pur plaisir de danse, sans frontières, libre et joyeux, en compagnie de 8 danseurs. Ça sera le dernier spectacle de la saison
Et ce spectacle, c'est Électrique de la compagnie Blancali. Blancali est une chorégraphe exceptionnelle. Ses spectacles tournent sur la planète. Elle a été formée chez Martha Graham et elle nous propose cette fois-ci avec Électrique du hip-hop, mais pas que. Un hip-hop complètement explosif, c'est joyeux, c'est un spectacle d'électrodance à l'énergie folle. Les concerts sandwich, c'est un rendez-vous par mois, le vendredi, à 12h30, à la salle du Carré. C'est un intermède musical qui vous est proposé à ce moment-là. C'est surtout un moment de convivialité et de partage. Vous verrez, votre sandwich aura une autre saveur et la pause musicale dans la journée va changer votre journée de travail. Dans ces concerts-là, dans ces rendez-vous-là, il y a bien sûr de la musique de chambre, il y a également du jazz, de la chanson, un concert de chœur, un ciné-concert. Donc voilà, c'est trois quarts d'heure à partager ensemble. C'est une manière de désacraliser ces rendez-vous-là pour passer un très bon moment qui coupe la journée.